Nous n'interviewons pas que des partenaires avec lesquels nous travaillons déjà, mais parfois, eh bien, quelques marques attirent notre attention. Et là, il s'agit de Kenetic. Alors Kenetic, comme vous pouvez le voir un petit peu par là-bas, ce sont un petit peu des spécialistes du routeur. Nous allons être accueillis sur le stand pour avoir toutes ces informations. Et c'est Stéphane qui va se coller à la tâche de nous présenter Kenetic. Alors bonjour Stéphane, merci bonjour. De vous accueillir. Avec plaisir. Est-ce que déjà vous pouvez nous présenter un petit peu qui est Kenetic? Oui. En deux, trois mots, après vous pouvez en dire plus si vous voulez. Très bien. Alors, je suis Stéphane Goldstoff, je suis représentant de Kenetic en France. Kenetic, c'est une marque allemande qui est présente sur le marché depuis 10 ans, qui était très forte sur le marché de l'Europe de l'Est. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'en ce moment, l'Europe de l'Est est un peu problématique. Un petit peu. Et donc, ils sont décidés de se tourner vers l'Europe de l'Ouest pour développer leur business. Et donc, la France est un des fers de lance, un des marchés les plus importants pour l'Europe de l'Ouest. Alors, la solution Kenetic, en fait, très simplement, c'est un système de produits de routeurs ou amplificateur Wi-Fi Mesh. Le Wi-Fi Mesh, c'est le Wi-Fi maillé. Et le Wi-Fi maillé, en fait, ça consiste à avoir une espèce de toile d'araignée de points d'accès qui permet de ne pas perdre sa connexion Wi-Fi quand on se déplace, par exemple. Je vais prendre l'exemple d'un hôtel. Vous êtes au 5e étage de l'hôtel, vous allez au rez-de-chaussée de l'hôtel, vous avez pris l'ascenseur, et pourtant, entre votre chambre et la réception de l'hôtel, ben, vous avez regardé votre vidéo YouTube ou vous avez eu une conversation WhatsApp par Internet, et pourtant, vous n'avez pas eu de coupure, vous n'avez pas eu d'arrêt de connexion. Et ça, c'est grâce au Wi-Fi Mesh. Et alors, là, c'est d'un point de vue général, mais techniquement, qu'est-ce qui différencie un réseau Wi-Fi Mesh d'un réseau Wi-Fi qui ne serait pas Mesh? Alors, c'est un peu ce que je vous ai dit. Un Wi-Fi Mesh, en fait, ça se permet de se connecter de n'importe quel point et de suivre le Wi-Fi en itinérance, finalement, tout le long de mon parcours. Ça peut être un camping, un hôtel, ça peut être à la maison, tout simplement, entre le deuxième étage et la cave, de continuer à avoir du Wi-Fi en permanence et sur le même réseau. C'est de ne pas avoir plusieurs réseaux Wi-Fi distincts sur lesquels je dois me déconnecter, me reconnecter, mais avoir un seul et même réseau global. D'accord. Donc, il y a une sorte de traçage des devices qui est fait par le point d'accès? Le système Wi-Fi va être récupéré sur tous les devices et donc ils vont être listés. Donc, je vais avoir le téléphone de madame, le téléphone de monsieur, le collaborateur X ou Y, je vais avoir les ordinateurs, tout ce qui va se connecter. Je vais avoir une liste de clients qui vont être présents sur mon réseau. Et sur ces clients, chaque client, je vais savoir effectivement quelles sont les applications qui ont été utilisées, si c'est du Teams, si c'était Netflix, si c'était que sais-je encore. Et donc, toutes ces applications, on va pouvoir, bien sûr, après les filtrer, ou les clients les filtrer pour pouvoir donner des droits, dire ben, je ne veux pas que l'application Netflix soit utilisée, je ne veux pas que tel client puisse avoir accès à tel réseau Wi-Fi ou à telle partie. On va pouvoir faire du filtrage comme ça et de la sécurité, bien sûr. D'accord. Et alors, ce filtrage, cette administration, quelque part, elle se situe où? Elle se situe dans le cloud? Vous avez un contrôleur? Comment ça fonctionne? Chaque produit peut être un routeur ou amplificateur, sans distinction. Il n'y a pas de maître et d'esclave. Chacun peut l'être. C'est au choix, quand on installe, on choisit quel est le maître et quels sont les esclaves, mais on ne doit pas acheter spécifiquement un produit maître et des produits esclaves. Donc ça, c'est la première chose. Au niveau de Kenetic, Kenetic, c'est des produits qui ont tous le même système, qui s'appelle Kenetic OS. Ce qui fait que j'ai un produit qui soit de l'entrée de gamme ou du haut de gamme, j'ai le même OS. Je vais prendre l'analogie du smartphone. Oui. Aujourd'hui, vous avez l'iPhone 12, le 13, le 14, le 15, mais derrière, c'est iOS. C'est oui. Le même OS. Eh bien, moi, c'est pareil. Vous avez le routeur 1, le routeur 2, le routeur 3, plus ou moins haut de gamme, mais derrière, c'est Kenetic OS qui va motoriser l'ensemble de ma gamme. Ce qui fait que tous les produits sont interopérables entre eux. Et même dans le futur, si aujourd'hui je suis en Wi-Fi 4, en Wi-Fi 5, en Wi-Fi 6 et demain en Wi-Fi 7, eh bien, ils seront compatibles les uns avec les autres. Ok. Pour répondre à votre question de comment on l'administre, eh bien, il y a un soft sous Kenetic OS. Tout simplement, je vais pouvoir gérer les clients, au niveau des clients, au niveau des applications. Vous pourriez nous montrer un petit peu l'interface tout à l'heure. Ça, mais ça, c'est une partie de la sécurité et la surveillance du réseau. C'est une petite partie. Ce qui est intéressant, c'est tout ce que le produit peut faire et surtout comment il est personnalisable. Car les produits Kenetic, sa grosse force, c'est qu'il est complètement personnalisable. Je vais reprendre l'analogie du smartphone. En fait, c'est comme des applications. J'ai besoin de telle ou telle application et pas besoin de telle ou telle autre application. Et bien, sur mon routeur, je vais pouvoir installer ce dont j'ai besoin et désinstaller ce dont je n'ai pas besoin, afin d'avoir vraiment un routeur sur mesure.
D'accord. D'avoir ce retour sur mesure, ça sert à quoi ? C'est-à-dire un produit qui est plus véloce, qui perd pas de bande passante sur des trucs annexes, qui va permettre également d'avoir un produit donc plus stable. Et surtout, la problématique qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est d'avoir toujours un produit qui est mis à jour en permanence et toujours avec les nouvelles fonctionnalités. Je vous explique pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, on achète un routeur à l'usine, il a fait 3 mois de mer dans le bateau, il est arrivé chez mon distributeur, il a pris encore 1 ou 2 mois de stock, puis encore 1 mois chez mon revendeur avant qu'il soit installé. Le produit, il avait peut-être 8 mois ou 9 mois. Donc le firmware qui est à l'intérieur du produit, il est quasi obsolète. Ah oui. Donc cette solution cloud permet d'avoir toujours quelque chose qui est up-to-date, quoi, vraiment la mise à jour est faite. Et donc ce qui est important, quand je dis dans la personnalisation de ce produit, c'est que ensuite je vais faire mon propre firmware finalement sur mesure et je vais pouvoir le déployer sur l'ensemble de mon parc ou sur l'ensemble des produits que je veux installer. Et alors est-ce à dire que les firmwares déployés pourraient être différents dans leur contenu d'un point d'accès à un autre point d'accès ? Tout à fait, on peut le gérer au point d'accès ou au système Wi-Fi intégralement, mais on peut bien sûr être très fin et dire sur tel point d'accès, je veux telle chose. Ça peut être par exemple un portail captif pour un restaurant ou un hôtel qui va venir récupérer avec les logs de ses clients pour la carte du restaurant ou pour les gestions de la réservation. Tout ça, c'est quelque chose qu'on peut gérer via le système kinétique. D'accord. Et alors, en parlant de gestion, on est sur un salon où il y a beaucoup d'informaticiens, beaucoup d'intégrateurs. J'imagine bien que vous le savez, c'est peut-être même la raison de votre présence ici, pour aller conquérir un petit peu ces intégrateurs et on va dire peut-être les faire changer de crèmerie. Alors on en reparlera un petit peu après. Mais au niveau de ce portail d'administration, nous, en tant qu'intégrateurs, il y a quelque chose qu'on regarde et sur lequel on est particulièrement attentif, c'est est-ce qu'il est multitenant ou pas multitenant ? Est-ce qu'il est multisite au niveau du client final déjà ? Donc déjà lui, est-ce qu'il va pouvoir gérer X sites sur le même portail ? Et nous, intégrateurs, comment ça se passe à un autre niveau ? Il y a effectivement sans abonnement, hein, il n'y a pas d'abonnement, tout ça. Déjà, c'est un premier bon point. Premier bon point. Et puis même tout ce que je vous disais, toutes les applications qu'on veut installer dans notre routeur, voilà, tout est gratuit. D'accord, c'est compris dans le prix du produit. On ne paye pas plus parce que j'ai besoin d'un VPN ou j'ai besoin d'un serveur média ou j'ai besoin de telle ou telle option. D'accord. Je les installe et c'est comme ça. Donc, pour revenir sur la question du RMM. Oui, voilà. C'est ça. Effectivement, on a un RMM qui est disponible. On va pouvoir gérer les sites et donc les différents produits. On va pouvoir gérer, savoir quel est l'OS qui est installé, s'il est up-to-date ou pas. On va pouvoir savoir la garantie du produit. On va pouvoir avoir quels sont le nombre de clients connectés sur le produit, s'il est en panne ou pas, s'il est en fonctionnement ou pas. Voilà. Donc tout ça, on va pouvoir le gérer effectivement via le RMM et le client aura un accès. Donc là, vous me parlez du client final. Mais vous, en tant qu'intégrateur, vous pourrez tout à fait avoir la borne master que vous avez installée chez Schcamping, mais celui de l'hôtel aussi et celui de l'hôpital. Et ça, à travers le même portail ? À travers le même portail. Le même identifiant ? Alors non, vous pouvez avoir des identifiants différents. D'accord, d'accord. On à ce jour, ça viendra peut-être et sans doute, et on n'a pas un seul identifiant pour administrer, par exemple, X clients à qui on aurait pu vendre la solution. Vous avez un identifiant RMM partner de Kinetic. Et avec cet identifiant, vous allez pouvoir gérer le site numéro 1, le site numéro 2, le site numéro 3. Et le client du site numéro 1, lui, va gérer son parc à lui, le site numéro 2, son parc à lui, etc. Alors, je vous avais dit qu'on allait revenir sur les différentes crèmeries qui existent aujourd'hui dans votre activité. Il y en a quand même pas mal, hein. Il y a quand même pas mal d'acteurs sur ce segment du Wi-Fi. Qu'est-ce qui, en définitive, vous différencie ? Quels seraient les petits ou gros plus qu'on trouverait chez Kinetic par rapport à d'autres connus ? Donc, je ne vais pas les citer, ils sont déjà connus. Mais voilà, la question reste ouverte. Clairement, aujourd'hui, au niveau hardware, tout le monde fait à peu près la même chose. C'est-à-dire que vous achetiez un produit d'une marque A, B ou C, c'est quasi les mêmes usines et in fine, à une virgule près, c'est le même produit. Comme un smartphone, que vous achetiez un iPhone ou un Samsung, il y a 2-3 trucs qui changent, mais bon, ça fait à peu près la même chose. Et bien là, c'est à peu près pareil. Le hardware, finalement, on ne va pas forcément être mieux disant sur du hardware. Par contre, c'est ça qui fait toute la différence, c'est le soft. D'accord. C'est le software qui fait toute la différence. Kinetic OS. C'est le Kinetic OS. Et c'est vrai, si je devais vendre un produit, ce ne serait même pas le routeur, ça serait le Kinetic OS. D'accord. Parce que c'est vraiment ça qui fait la différence. Ce qui va venir nous différencier de nos concurrents, hein, bah, c'est ce que je vous ai un peu expliqué. Des produits complètement paramétrables grâce à ce Kinetic OS. Plein de
fonctionnalités qui sont très innovantes incluses dans Kinetic OS et dont nous sommes peut-être pas les seuls, mais peut-être les seuls à toutes les regrouper sur un même système et pouvoir avoir un produit qui est extrêmement versatile. Et alors, en termes d'orientation, est-ce que vous avez des cibles de clients finaux? Est-ce que vous êtes dit, bon bah voilà, nous c'est plus les hôtels, les campings, vous m'en parliez tout à l'heure, ou non, en fait c'est un petit peu partout où il peut y avoir du Wi-Fi? Oui, ça peut être partout où il y a du Wi-Fi. Donc notre client peut très bien être monsieur et madame tout le monde, hein, je veux dire, qui va acheter son produit en ligne ou dans un magasin de la grande distribution. Ça, c'est une de nos cibles, mais l'autre cible vraiment, la principale, c'est vraiment les revendeurs informatiques et surtout les intégrateurs, vous en parlez, les installateurs qui vont installer ce type de borne, ce type de système Wi-Fi dans une agglomération. Ça peut être, j'ai eu une mairie tout à l'heure qui est venue intéressée par ce système. Ça peut être, comme vous voyez, un hôtel, un restaurant. Mais notre cible n'est pas forcément le restaurant par lui-même. Ça va être celui qui va venir installer dans ces restaurants, dans ces hôtels. Donc, c'est vraiment les intégrateurs, les petites entreprises. Vous êtes en vente indirecte? Je suis en vente indirecte. Principalement ou exclusivement? Exclusivement en vente indirecte. D'accord. Donc, ça rassurera mes on va dire, confrères qui verront éventuellement cette vidéo. Tout à l'heure, on m'avait parlé d'une interface. Oui. On peut peut-être en voir un petit peu? On peut la regarder. Allez, je vous suis. Donc là, on a l'interface de base. Ce que je voulais vous montrer tout à l'heure, c'est donc pour le fameux paramétrage du système. Là, je vais aller chercher justement quels sont les composants que je peux installer. Donc là, donc déjà, on peut installer plusieurs langues. Et après, je vais dire pouvoir installer ce dont j'ai besoin. Alors, la liste est extrêmement longue, donc je vais la passer rapidement. Mais imaginons, je ne sais pas, qu'on a besoin d'un WireGuard VPN. Voilà, ben je vais pouvoir installer ça. Que j'ai besoin d'un portail captif, j'en parlais tout à l'heure, le portail captif, je vais pouvoir l'installer là. Ou que j'ai besoin d'un, je sais pas, d'un serveur média parce que je veux diffuser des choses. Voilà, ben je vais pouvoir l'installer, etc., etc. Et là, j'ai même le Open Package pour même pouvoir moi-même développer quelque chose que je voudrais installer dans mon système qui n'est pas prévu. Je le développe et je l'intègre par moi-même. Quand vous dites on peut, un intégrateur pourrait également, à travers une API ou quelque chose comme ça. Exactement. On peut le développer. On a toute une communauté de développeurs avec des forums, etc. On peut y aller. On peut même aller voir sur le forum et dire voilà, j'ai besoin de tel truc. J'ai vu que ça n'existait pas. Est-ce que quelqu'un aurait déjà essayé ça? Et on peut avoir une réponse. Ah oui, moi je l'ai fait pour moi, pour développer cette option. Et pourquoi pas l'intégrer par la suite dans Kinetic OS. Alors, on n'a pas encore parlé gamme de prix. Est-ce qu'on peut en dire deux bien mots, sûr. Votre positionnement tarifaire? Alors, il est assez agressif. On va des produits qui vont de, on va dire, une vingtaine d'euros à 200 euros. D'accord, ah oui. Un quartile prix de 20 à 200, on va dire, à peu près. Donc, alors, quels seraient les 20 euros et quels seraient les 200? Alors, 20 euros, ce serait des petits produits comme ça, ou un petit switch 5 ports, ou un petit adaptateur PE, comme ça, un injecteur PE. Vos produits sont tous PE, d'ailleurs? Alors, non, pas tous. Pas tous. Alors, tous mes switches sont PE. D'accord. Après, j'ai des bornes PE, mais par exemple, celle-là, ça va être une borne 4G LTE, celle-là, ça va être de la fibre, celle-là, ça va être du 2,5 giga. Donc, en fonction du produit, je vais avoir telle ou telle option. Donc, si j'ai besoin de fibre, je vais prendre plutôt ça. Si j'ai besoin de 4G, je vais prendre plutôt ça. Et je vais avoir la 5G, je vais avoir l'extérieur aussi. En termes de Wi-Fi, Quelle génération de Wi-Fi vous intégrez à ce jour? Alors là, aujourd'hui, on est sur du Wi-Fi 6, principalement sur notre gamme principale. On a encore du Wi-Fi 5, voire du Wi-Fi 4. Et ce qui était intéressant, c'est qu'ils sont encore interopérables aujourd'hui avec nos produits les plus récents. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez un ancien produit Kinetic et que vous achetez un nouveau que l'ancien, faut le jeter. Il va tout à fait s'intégrer à l'écosystème. On a parlé beaucoup de produits, finalement. En termes de garantie, comment ça fonctionne? Il y a une garantie, on va dire, de mise à jour des produits. Oui. Qui est dite de 5 ans. D'accord, ce qui est déjà pas mal. Ce qui est pas mal, mais pour tout vous dire, on est déjà au-delà de ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont acheté des produits il y a plus de 5 ans et ils continuent à recevoir les mises à jour. En fait, la mise à jour, elle est tant que le produit est en vie, quoi. Ok. Et qu'il est capable, techniquement parlant, de recevoir les dernières mises à jour. Mais il y a des produits qui ont plus de 5 ans qui fonctionnent encore aujourd'hui avec les dernières mises à jour. Donc ça, c'est pour la mise à jour du produit. Après, en termes du SAV vraiment défectueux, donc là, c'est du 2 ans classique sur les normes européennes. C'est une société allemande. Le stock est en Allemagne. Les serveurs sont en Allemagne. Et donc, on est tout à fait à jour avec les différentes lois européennes. RGPD, etc., etc. Donc tout ça, on est bien intégré.
intégrer là-dessus. Garantie était de 2 ans, effectivement, et après, bah, tout simplement, on se rapproche de son revendeur qui va nous faire un échange produit. Si le produit ne peut pas être réparé, mais sinon, on a un support, un système de support chez nous, hein, des gens qui vont venir voir au niveau du produit, avoir accès au produit à distance et voir quel est le problème sur le produit pour le corriger si besoin est. D'accord. C'est juste un problème de paramétrage qui suffit de corriger et donc ça évite un retour de produit pour rien. Alors vous me parlez du support, le support se situe où ? En Allemagne. En Allemagne également ? D'accord. Donc dans des créneaux horaires horaires européens, classiques. Une toute petite question supplémentaire. Vous me semblez être quelqu'un d'assez technique et je crois qu'il y a une fonctionnalité qui se fait au niveau des DNS, oui, qui est un petit peu particulière et c'est vrai que j'en avais pas trop entendu parler avant. Est-ce que vous pouvez me dire comment ça s'applique ? Je vais vous montrer ça. Effectivement, le produit est assez intéressant car je vais pouvoir générer des noms de domaine sécurisés à la volée. Je vais donc ajouter un nom de domaine. Prenons par exemple le nom de domaine Carpe Diem. Alors ça sera carpediem.pro. Bon, on va prendre Carpe, ça allait plus vite. Allez, ça allait plus vite. Carpe, voilà, et je vais lui dire, je donne un accès. Je donne pas de restriction, mais je peux très bien mettre un mot de passe. Et après, je vais aller chercher sur mon réseau ce que je veux partager. Imaginons que je veux pouvoir partager mon imprimante, ouais, l'administration de mon imprimante à quelqu'un. Je vais faire ça, il va me générer mon lien Carpe, je vais pouvoir donc copier mon lien et le donner à la personne, hein, ou le partager en interne. Et voilà, je vais pouvoir partager n'importe quel produit partageable, hein, un NAS, une imprimante, un ordinateur, qui se trouve sur mon réseau via un lien DNS comme ça sécurisé dans le cloud. C'est une sorte de règle de NAT, finalement, que vous externalisez avec un nom convivial. Exactement. Et c'est quelque chose qui est assez unique. Enfin, ça existe. Je veux dire, c'est gratuit, hein, on ne paye pas plus cher qu'on fait pour le client final. Bon, vous voyez, je savais qu'il y avait du répondant technique. Bon, il y a quelques trucs, ouais, mais il y en a beaucoup à dire, en fait. Bon, eh bien, écoutez, Stéphane, merci beaucoup pour cette belle présentation. J'espère que ça donnera l'envie à des confrères et à des clients finaux, bien évidemment, de commander vos produits. En tout cas, c'est vrai qu'ils sont assez sympathiques et le fait d'être customisable au niveau des firmware, j'imagine que ça doit avoir un intérêt notamment au niveau légèreté, au niveau entretien aussi, parce que parfois c'est bien d'avoir plein de choses dedans, mais il faut les entretenir aussi. Hein. Tout à fait. Donc là, on peut mettre que l'essentiel. Exactement. Que l'utile. On peut tout mettre si on veut. Hein. On peut tout mettre si on veut. Voilà. Totalement. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite un très bon salon. Merci à vous. Et puis à bientôt. Au revoir. Au revoir.